en ce jour où on lance l'atelier de sensibilisation sur le gouvernement des élèves dans les écoles, qu'il me soit permis de souhaiter la bienvenue à tous les participants ainsi qu'à toutes les autorités ici présentes. Cet atelier de renforcement des capacités est organisé avec l'appui du partenaire Enapel, à qui nous disons merci. Ce gouvernement des élèves dans des établissements, ça date de longtemps, mais ça semblait être apparence qui est un peu trompeuse. Vous ne compreniez rien de votre rôle dans des écoles. Aujourd'hui, on va vous apprendre ce que vous devez faire. Élèves, vous êtes ministre en charge d'eux. Vous devez savoir qu'est-ce que vous devez faire. Aujourd'hui, on va vous apprendre quoi faire. Et soyez un peu attentifs et puis soyez assidus à ça. Je lance officiellement cet atelier, le soir de renforcement de capacité pour le gouvernement dans les établissements. Je vous remercie. Ici, nous sommes dans la sous-division des Katanda 2. Nous sommes dans un atelier de formation appuyé par le partenaire Enapel dans le cadre de redynamiser, sensibiliser les comités des élèves ici dans la sous-division. Ça nous a pris 2 jours, hier et aujourd'hui. Nous avons montré aux élèves comment un président doit se comporter, comment les différents ministres du gouvernement et comment est-ce que cela se passe. Et aujourd'hui, nous avons fixé les idées en élaborant une feuille de route et certaines recommandations que les élèves ont pu donner afin d'améliorer et redynamiser les comités d'élèves. Et à cela, il y avait la participation des parents, des enseignants et des chefs d'établissement pour permettre à les responsabiliser, à bien accompagner les enfants au sein de l'école afin d'atteindre les bons résultats et aussi une bonne collaboration entre les élèves. Je remercie le partenaire Enapel parce que c'est pour la toute première fois que pareille activité se passe. Enapel, à travers son intervention éducation de base dans la province du Kassai Oriental, vient d'appuyer la sous-division éducationnelle de l'EPST Kassai Oriental 1, plus précisément les sous-divisions de Bujimai 2 et de Katanda 2, à travers un atelier de redynamisation et de renforcement des capacités des gouvernements scolaires de ces écoles primaires et secondaires, de même que la division des affaires sociales au travers de ses apprenants dans les centres de rattrapage scolaires. Tout ceci dans l'optique de promouvoir la bonne gouvernance des élèves et apprenants au sein des établissements scolaires et des centres de rattrapage. Je suis président du gouvernement des élèves à l'ITPRO Makala. Nous sommes ici dans un atelier, dans cette formation. On était venus apprendre comment diriger le gouvernement. C'est depuis hier, nous étions ici pendant 2 jours pour connaître comment diriger le gouvernement. J'ai appris comment diriger le gouvernement dans cette formation ici. Je suis maintenant en mesure et je connais maintenant comment diriger. Nous remercions le partenaire Enapel parce que sans lui, on ne pouvait pas avoir des connaissances.